Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Mes abonnés Instagram ont décidé de cette journée que je passe avec ma Pixie Mum à Disneyland Paris. Mes abonnés ont eu plein de choix, par contre j'ai fait assez soft dans le sens où ça fait 4 ans que ma mère n'a pas été à Disneyland Paris, donc je voulais pas lui imposer un truc un peu trop extrême. Ce que je vous propose, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dans cette vidéo et je saurai que pour la prochaine fois vous voulez une vidéo un peu plus tricky où je fais un peu plus des choix impossibles. Donc aujourd'hui vous avez choisi ma tenue, c'est donc un Disney Bound. Notre chère amie Réponse, vous avez été une grande majorité à voter pour Réponse. Ça m'a fait super plaisir puisque c'était le choix que je voulais. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai rien fait à mes cheveux parce que c'était à vous de choisir si vous vouliez que je me coiffe les cheveux ou pas du tout. Et donc on va découvrir le résultat juste ici. Ça aura été très serré, mais à l'heure où je consulte les votes, il est à peu près 8h20, vous êtes 89 à avoir voté pour les cheveux attachés et 52 pour les cheveux détachés. Donc c'est parti, on va se faire une sorte de tresse à la Réponse. Et bien voilà donc ce que ça donne avec la petite coiffure. Je pense que là on est prêt, on y va, c'est parti pour rejoindre Pixie Mum. Bon bah j'ai retrouvé Pixie Mum. Bonjour tout le monde. Donc on est à Disneyland Paris, donc là on va passer le contrôle des sacs et comme les abonnés l'ont choisi, on va commencer par le parc Walt Disney Studio que tu n'as jamais fait apparemment. Jamais fait. Donc voilà, allez on y va. Tu découvres? Ah ouais. Peter Pan, avec la fée. Et Mickey. Ouais. Et moi je vais t'emmener dans le Land de Paris avec Ratatouille. Ratatouille. Ah, c'est quoi, Ratatouille. Là vous voyez, il y a marqué 25 minutes de queue. Mais en fait c'est blindé de monde. Donc pour éviter de faire la queue, avec maman on a pris un fast-pass. Voilà, donc avec notre petit ticket, c'est une découverte pour toi et on n'aura pas à faire la queue à ce moment-là. Vu qu'il y a trop de monde à Ratatouille, on va faire le deuxième choix de mon Instagram. On va aller voir Zigzag, que maman ne connaît pas, donc là on est en train d'aller dans Toy Story Playland. Et tu connais pas du tout Toy Story, hein? C'est pas ce que c'est Toy Story. Bah tu vas découvrir. Hein. C'est quoi, c'est des singes? Maman elle dit ça parce qu'il y a les... On dirait des singes, non? Oui, en fait Toy Story c'est le monde des jouets. Donc là on est à la taille d'un jouet. Un singe. Oui, il y a des singes partout effectivement, mais c'est pas des singes. On va faire Ratatouille. On va pas faire Ratatouille, on va faire Zigzag le chien. On a le placement numéro 13. Voilà. Maman elle est en train de faire du repérage pour voir où est-ce qu'on est. Ouais, j'ai vu. Où il y a les, tu sais les trucs là-bas, là, rond là. Regarde ouais. Les ronds. Ouais ouais bah ça m'étonne pas. Hein. Mais avant il n'y avait pas, c'est ce que j'explique à la Pixie Army, bah non, il n'y avait pas tout ça. Donc on sera en 13. On peut plus gruger pour se mettre devant, c'est triste. Ma mère elle était trop à fond, Pixie Mum, tu kiffes. Ah ouais, j'adore. Et donc maintenant on va découvrir ce que vous avez choisi pour nous. Alors, j'avais dit que c'était entre Art of Animation, Stitch et Aladdin. Vous avez été 51 à voter pour ça. Donc bah allons-y hein. Ouais, on y va. Allez c'est parti, soit Aladdin, soit Stitch. On va voir ce qui colle le plus dans le timing. C'est ça parce qu'après on a notre fast-pass pour faire Ratatouille. D'accord. Tu sais que c'est un spectacle, mais à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Tu connais pas Stitch en plus? Du tout. Tu sais pas qui c'est Stitch? C'est un espèce d'extraterrestre. C'est avec des extraterrestres. Avec des grandes oreilles. Je pensais que c'était dans l'eau, un truc aquatique. Je pense que ça va être drôle, mais tu vois, c'est un spectacle unique. C'est lui Stitch. Elle était trop à fond. Genre. Elle n'arrêtait pas d'hurler. Bon, par contre, il y a eu un moment qui était extrêmement gênant parce que donc on fait tout ce qui est vitesse lumière et maman crie vitesse sonore, tout va bien. Donc, tout le monde s'est retourné. Bon, et maintenant, on va aller faire Ratatouille en passe-passe. Oui! Oh!
ensemble. Des invités pour le dîner. Yes, but what you can hear. Hein? Pour le repas idéal. Coco vin? Non. A simple moment. Tu sens les oranges? C'est une nourriture et pour nos invités. Ça vient pas, je suis choquée. Hein? Ça vient pas, d'habitude ça se dirige. Vas-y, ratatouille. Donc ça c'est là où on va manger juste après. Mais je vous montre pas ça dans la vidéo parce que vous aurez un article de blog à découvrir juste ci-dessous. Et alors t'en as pensé quoi? Bah c'était génial parce qu'en 3D c'est ma grande première et puis on a toutes les sensations. Ouais voilà, t'as pris l'eau, t'as pris le feu, t'as senti... J'ai senti les odeurs, les oranges, il y avait le citron, il y avait les oranges. Ouais, il y avait une autre odeur aussi, je sais pas. Ouais, je m'en rappelle pas. Je sais pas, mais franchement, je trouve que les scènes ont duré plus longtemps que d'habitude. Je pense qu'il y a dû avoir des problèmes, genre le bouchon de champagne. Ah oui, il est resté longtemps. Hyper long avant de l'envoyer, donc je sais pas. Et après, on reçoit un peu des bulles. Ouais. J'ai l'impression de recevoir le bouchon, mais non, en fait, tout. Et donc là, on est dans la queue pour essayer de faire des photos avec les personnages de Ratatouille qu'on vous a montré tout à l'heure. Notre réservation de restaurant est dans 25 minutes, du coup, on va croiser les doigts pour pouvoir rencontrer Rémi et Émile. Et Rémi. T'es contente? Ah ouais. Waouh! C'est incroyable! J'adore La Belle et la Bête, c'est une de mes préférées, et puis Aladdin, c'était sympa. Du coup j'ai lancé deux sondages, le premier ça va être de savoir ce qu'on fait sur le parc principal et l'autre de savoir le budget shopping, mais je croise les doigts pour que le réseau marche. Et donc là on va faire un petit tour dans les boutiques avant d'aller là-bas. Allez. Bon du coup on a retrouvé Baptiste et donc je suis en train de dépenser puisque vous êtes 83% à vouloir que je dépense plus de 30€, vous êtes déter, hein les gars? Qui ne m'étonne pas de vous. Pour l'instant, j'ai juste acheté un film Picsou, il va falloir que je dépense encore plus. Tu te rends compte? Je dois me forcer et tout, c'est dur la vie. Et donc là, on va à la valse des princesses. Every girl's dream, every girl's fantasy is to one day wake up and be somebody's best. Des poupées comme vous nous l'avez demandé. Première fois qu'on l'a fait aujourd'hui et attraction préférée de Pixie Mom. On est dans la queue de Small World puisque vous nous avez demandé de la faire deux fois aujourd'hui et il y a un monde monstrueux. Grave, j'ai jamais fait autant de queue pour l'attraction. Du coup t'as pensé quoi de l'étonne Small World et de l'étonne sur le spectacle? Le spectacle était court. J'étais mal placée, mais c'était pas mal. Il y avait plein de princesses que maman connaissait pas, genre Tiana et Rapunzel. Et maman est persuadée que Cendrillon, c'est la princesse Aurore. Oui, pour moi, ouais. Ah, pratiquement la princesse. Donc en fait, maman a découvert aujourd'hui à quel point la vraie princesse Aurore était cruche et pourquoi je la déteste, je pense. Parce qu'elle est insupportable. Elle est insupportable. J'ai lancé un sondage pour savoir ce qu'on mangeait ou goûter. Donc soit mixé, soit glace, on découvrira ça après la traduction. Voilà. Les glaces. Thank you.
refasse pour vous une fois cette attraction avant de repartir. Vous avez tranché, mais alors vraiment c'était ultra serré, c'était à deux votes près pour la glace. Donc je suis juste à côté du Bel Annotté avec Piximum. C'est la première fois que je vais prendre une glace ici, donc je suis plutôt contente de tester. La première fois que j'étais bien placée, là on était super bien placée. Ah non, parce que d'habitude, bon, il y a toujours des gens devant nous et tout, que là j'étais en hauteur et je les ai tous vus et c'était vraiment sympa. Moi, ouais, tu l'as trouvé un peu courte, mais. Mais trop courte, ouais. Quand c'est bien, c'est super, c'est toujours trop court. Bon, et après, moi, comme je vous dis, hein, vous savez que je n'aime pas cette parade, mais c'est pas nouveau. Dans Meet Mickey Mouse avec Piximum, comme vous pouvez le voir juste ici. Ça a été serré, c'était entre Dumbo, le labyrinthe d'Alice ou Meet Mickey, et vous avez été 53% à voter pour qu'on rencontre Mickey. Donc là, 30 minutes d'attente, on est motivé. Voir Mickey, maman. Maman était à fond. Des souris et des rats. Je t'avoue, c'est la journée. Hein. C'est la journée. Il est donc 18h55, la Pixie Army, et avec Piximum, Small World, Round 2, ouais, bien sûr, Round 2, on y va. Ouais. C'est parti, les poupées, let's go, again. Allez, allez, on y va. Non. Et alors, autant tout à l'heure on a fait 45 minutes de queue, autant là il n'y a personne, les gars. T'es prête? Oui. Nouvelle aventure. On y va. On va aller pousser. Encore. Mais moi j'y vais régulièrement et je la fais quasiment à chaque fois. Et là je peux vous dire que deux fois la même journée c'est trop pour moi. Là je... Quand ça va ça passe, mais là je veux plus. Chip? Il t'a dit Chip là? Stitch? On arrête les attractions et là on va sur le dernier défi de la journée, puisque vous m'aviez demandé de dépenser 30 euros minimum et pour l'instant je n'ai acheté qu'un pin à 7 euros, donc il va falloir que je me ruine, hein. Donc c'est parti pour les boutiques. Bon, s'il y a bien un endroit où je peux dépenser tout mon argent d'un coup, c'est bien celle-ci, donc allons-y, hein. J'ai rien acheté. J'ai rien trouvé de très particulier dans les boutiques, comme vous avez pu le voir. Donc plutôt que d'acheter pour acheter, ce qu'on va plutôt faire, c'est que je vais aller au village parce que j'ai une idée de ce que je vais aller trouver. Je vais aller m'acheter un truc que je veux depuis longtemps. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé des choix des abonnés? De ce qu'ils nous ont dit de faire aujourd'hui? Ils ont fait des bons choix ou pas?
Impec. Super. Et surtout la glace. Ouais. Et moi j'en profite du coup pour la fin de ce vlog pour remercier tous les membres de la Pixie Army que j'ai croisé aujourd'hui. Il y en avait énormément. C'est trop bien. J'ai pas pu croiser tout le monde. J'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient qu'elles voulaient me voir et on n'a pas réussi à se croiser. Donc j'espère une prochaine fois, je croise les doigts. Les 15 000 approchent bientôt. Je pense que vous l'avez vu et je suis trop contente. Donc du coup, pour fêter ça, j'organise un meet-up. Alors, je l'organise le jour de la Dapper Day, donc ce sera samedi 15 septembre. Je pense que je vais en faire qu'un seul et que ce sera au village en après-midi. Mais je suis pas encore sûre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous tenez absolument à ce que ce soit à l'intérieur du parc aussi. J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, mais j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu spécial pour les 15K. Donc rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, j'en parlerai très certainement sur Instagram. Bref, j'espère que cette vidéo Instagram contrôle notre journée à Disneyland Paris vous aura plu, la Pixie Army. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, surtout si vous aimeriez une vidéo un peu plus folle. Parce que là j'étais avec ma mère et j'avais pas trop envie de la faire subir. Mais si vous voulez vous venger sur moi et qu'on fasse un truc un petit peu plus particulier, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire avec vos propres défis, pourquoi pas, ça pourrait être assez marrant. N'hésitez pas à mettre également un commentaire pour me dire ce que vous avez préféré de cette journée et à vous abonner surtout parce que il faut rejoindre les rangs de la Pixie Army, hein, n'est-ce pas? Et en attendant la prochaine vidéo, ma Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Bon, la Pixie Army, j'ai bien relevé le défi et je vais vous le prouver. Donc, j'ai acheté ceci en solde à 2€. Ce porte-clés pour ma mère à 5€. Et qui est fou. Petit Winnie Tsum Tsum qui va partir avec moi au Japon qui m'a coûté 6€. Celui-là, donc c'est un nœud pour les cheveux de Jessie. Parce que moi je l'utilise pas sur les oreilles, donc j'en suis déjà à 25. Le petit pins de Picsou qui coûte à peu près qui coûte 7€, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc on est donc à un total de 32€ hors réduction, passeport annuel, mais bon ça fait environ 30€. Donc défi relever la Pixie Army.